Bonsoir, quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Adam Amara. Monsieur Adam Amara, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le samedi, je suis resté à l'université Champagne. Vous êtes professeur? Je suis informaticien. Informaticien, oui. Je suis resté à l'université Champagne. Madame m'a appelé qu'il y a des attaques sur moi. Et les Turcs qui sont derrière les rails sont venus nous attaquer. Je n'ai pu avoir le véhicule de l'université jusqu'à à son fin gare. Arrivé à son fin gare, je n'avais pas de véhicule, j'étais obligé de venir à pied. Avant que je ne vienne, j'ai trouvé que le véhicule est saccagé complètement. Mais Dieu merci, c'est au véhicule qui se sont attaqués. Sinon, s'il n'y avait pas le véhicule, c'est la famille directement qui les laisse attaquer. Ils avaient commencé même à défoncer les portes, mais heureusement, ils se sont attaqués au véhicule. Ainsi, comme madame est là, c'est devant elle tout est passé. Là, et puis, du mieux, ce qui m'énerve le plus, c'est les enfants des voisins. Ici, qui sont venus vous attaquer? Ils sont venus m'attaquer. Donc, des gens que vous connaissez? Des gens que je connais. Et là, c'est ce qui m'a indigné. Pour moi, nous faisons de bon voisinage. Les gens ont voulu riposter, aller casser des concessions là-bas. Mais on a dit non, c'est pas comme ça. Passons par la justice, au lieu d'aller payer ce qu'ils ont fait. Donc, je vous demande même de passer devant les concessions environnantes là. Si quelqu'un vous dira, ouais, les gens de Damba sont passés vers Wander à attaquer une maison, donc tout ce que je dirais, il faut signaler non. Tous ceux qui sont là, de là, D6 jusqu'ici, au RA ici, là, aucune concession n'a été attaquée par les gens Damba. Les menaces tenaient toujours de derrière nous attaquer. J'ai envoyé maintenant les militaires, au moins pour sauvegarder les enfants qui sont là. Leur tête, les sécuriser. Mais fort malheureusement, il y a des actes qui sont passés auxquels je ne pensais pas du tout. Les forces de l'ordre qui sont là en Co-5, au lieu de sacher les malfaiteurs, ils sont mis presque à sauvegarder, à protéger ceci-là, en jetant des gaz lacrymogènes sur nos enfants, et jusqu'à ce que ceux de derrière ont eu la force de venir s'attaquer à la famille. Donc sur ce, je m'arrête là. Comme là, c'est passé devant madame, elle peut vous expliquer les circonstances dans lesquelles les gens sont venus attaquer la maison. Je vous remercie.